Salut à tous, c'est Naya. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie. Je pense faire une petite partie sur jeu d'armes. J'ai joué une seule fois. La petite particularité de cette vidéo, c'est que je vais vous commenter en même temps. Donc, en espérant que je ne fasse pas trop n'importe quoi, que je m'en sorte à peu près sur la partie. Parce que, comme on vous a expliqué, Advanced Warfare, on en a un peu marre. Donc, voilà. Espérant que ça se passe bien. Ouais, jeu d'armes, j'ai joué une seule fois. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais aussi vous dire qu'on a des petits projets pour la chaîne. On pense vous faire d'autres vidéos sur d'autres jeux. Par exemple sur du Destiny, parce que moi je joue un petit peu à Destiny. Je suis que level 24 pour l'instant. Mais ça, je vous l'expliquerai quand je ferai ma partie sur Destiny, quand je ferai la vidéo. Voilà. Il y a aussi Kiara qui joue à LOL, donc ce serait assez intéressant qu'elle vous fasse partager un petit peu ses parties. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas Tenez-vous prêt, Sentinelle. à nous le dire C'est le moment de leur montrer dans ce les qu'on a dans le commentaires. ventre. Ok, c'est loin d'être évident de commenter en même temps. Je ne vous le cache pas. Voilà. Ok. C'est même très très stressant de commenter en même temps. Je me suis fail sur le turn. Dommage. Surtout qu'en plus, là, c'est pas évident. J'ai joué à Destiny tout à l'heure. Donc, du coup, les déplacements ne sont pas du tout les mêmes. Ok. Bon, on va se concentrer un petit peu. On va essayer de faire quelque chose d'assez correct. Ok, j'allais avoir le réflexe de lancer une grenade. Ok, je pensais qu'il allait passer par la fenêtre. Oh non! Là, c'est dégueulasse. Vous êtes d'accord, il a vraiment pas pris ses balles, j'étais dessus. C'est dégueulasse, franchement. J'aime pas trop rester au milieu, c'est un peu. Non! Mais c'est pas possible! J'ai envie de rager. Je vais rager. Enfin! Non mais... On va rester zen. On va se concentrer. Ok. Oh là là. Ouais, ça j'aime bien, les gars qui se cachent. C'est bizarre qu'il n'est pas trop sur les toits. Oh, ok, elle est par à coup celle-là. Oh là là. Ok, ça c'était pas mal. On va essayer de continuer dans cette optique-là. Ok, oh non. Dommage. Le pompe, alors c'est une arme auquel je ne joue absolument pas sur ce jeu. Sur Black Ops 2, j'aimais beaucoup le Remington, mais là-dessus, j'apprécie pas forcément le pompe. Non, je pensais que c'est moi qui l'avais, mais non. Dommage.
C'est pareil, c'est la sulfateuse, c'est une arme auquel je ne joue jamais. En principe, je joue plus avec la SM1. La SM1, KF5, parce qu'en ce moment, je fais monter les armes. Mais tout ce qui est sulfateuse, les fusils d'assaut, c'est pareil, j'y joue rarement. Oula, ok. Là, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, je suis plus mitraillette sur ce jeu. Même la balle 27, je vous avoue que j'ai gagné la balle 27 obsidienne et je ne l'aime pas. Certains diront elle est bien, mais j'aime pas du tout la balle 27 obsidienne. Je trouve ça très très dur à... très très dur à jouer. Après, c'est mon avis. C'est une horreur cette arme. Ouais, c'est vraiment une horreur cette arme. Y a aucune mobilité avec ça. Les déplacements sont horribles. Ok, certains sont déjà au snipe. On va essayer de se bouger un petit peu. C'est quoi cette arme? Ça se voit que je joue très rarement avec les armes. Hein. D'accord, c'est l'arme. Non, dans ses pieds quoi. J'aime pas ce viseur, mon dieu. Je préfère le zoom. Ah bah oui, il m'a bien eu pour le coup. Oh, lutte marqueur méchant! Bazooka. Mon dieu. Ah, dommage. Moi, je suis troisième, c'est pas trop trop mal. C'est pas trop trop mal. J'aurais pu faire mieux. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je pense que la prochaine vidéo sera sur peut-être sur Destiny. On a aussi un autre projet de vidéo, je vous en parle pas pour l'instant parce que c'est pas tout à fait fixé. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait mon ratio ainsi que mon ratio victoire-défaite pour vous montrer que je ne fais pas de reverse botting comme certains peuvent faire sur Advance. Je trouve ça très dommage. Du coup, ils sont là, triple DNA. Hein. C'est sûr qu'avec un reverse boosting, se trouver avec des. Personne qui vient de tout juste de commencer le jeu, enfin, je trouve ça assez dégueulasse. Donc voilà, j'ai un petit ratio sur 96. Je joue plus sur la victoire, sachant que je suis plus objectif player là-dedans. Donc voilà, je pense que le ratio victoire-défaite est pas trop mal. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.